L'ancien officier de l'armée d'Haïti, mesdames et messieurs, colonel Himmler Rébu, eh bien, monsieur crasé pays là avec gros révélation ça le fait sous dossier insécurité, dossier gang dans pays avec Ariel Henry, premier ministre et puis ministre intérieur dans pays et le président en cachette. Eh bien, selon le colonel là, mesdames et messieurs, Ariel gagne un plan et plan ça monsieur gagne, c'est lui l'a exécuté là. Est-ce que nous voyons Ariel Henry, monsieur paniqué, monsieur inquiété pour bandit capturer le monde à gauche à droite sans nous pas rien avec eux? Mais non. Est-ce que Ariel Henry, monsieur une volonté pour suspendre une question gang cap jeune zam bien facile pour continuer kidnapper monde dans pays là? Non. Est-ce que Ariel Henry, malgré un petit canal qu'a fait là, est-ce que nous voyons Ariel Henry, monsieur bay participation, bon c'est lui qui t'a doué fait canal là, il va faire avec colonel là qui pas mettre l'eau dans bouche li pour monsieur parler à gouvernement de facto ça gouvernement ça gagne en tête Ariel Henry déjà non cité dans assassinat Jovenel Moïse non pas qu'à attendre rien mieux de Ariel Henry parce que nèg ça yo c'est l'argent yo vienne faire dans tête pays c'est l'argent yo vienne bouler ben nous pas le quitter autant de colonel Himmler Rébu mesdames et messieurs comme toujours même si ben gamin qui dit colonel là bon on a pouvoir t'aller Jamaïque ensemble Ariel yo t'es sur là. Mais ça va empêcher monsieur toujours à dénoncer et monsieur toujours à faire pas quelques gros révélations choc que nous allons inviter autant de là mesdames et messieurs et pas oublier au sous TV la caille haiti.com jeudi ainsi lundi restez connecté tendez ça quoi le dire n'a tourner quittez commentaire surtout abonnez partagez n'a tourner Kenya des monde qui dans opposition au Kenya des monde qui dans structure justice au Kenya, des gens qui dans le Parlement Kenya qui discutent des questions ça. C'est là qu'on fait discuter, on apprend exactement ce qu'on connaît. Le seul bagage que je connais, docteur Ariel Henry, prend un pays pour le diriger, pays à craser dans le même, il ne prend pas une seule initiative pour protéger la population, il ne prend pas une seule initiative pour les populations qui ont des problèmes. Vigis levé de bras de l'an moué, la pande étranger pour venir résoudre le problème que lui-même était responsable. Maintenant, comme nous ne pouvons pas quitter le pays à fin à l'ENEP, nous avons organisé nous pour nous prendre disposition, pour nous gérer les questions avec l'ONU, pour nous gérer les questions avec la population haïtienne. Mais conviction, pam, tout problème où est bien là, tous ces vrais faux problèmes, c'est la population pour préparer le bot. Parce que les problèmes, c'est toujours la population qui sont résolue. Et là, le stade de Bacaléa, nous avons démontré qu'il y a une solution à ce problème. Donc, nous avons utilisé tout l'appui international, tout l'appui national pour éradiquer, à faire les gens, pour mettre des âmes dans les mains, faire marcher, tuer les gens pareils, sans que vous ne contrevenez, ce n'est pas normal. Et le problème qui est là, il n'y a pas de monde qui a passé à faire ça. Il y a d'abord des gens qui ont été mettés dans les gens qui ont tué les gens pour qu'ils aient bien pouvoir, pour qu'ils aient contrôlé l'économie du pays. Le problème, c'est dans la tête. Nous avons pris disposition pour aller dans sous côté problème de sortie pour nous résoudre avec la population. Remarquez, je dis à toi, Michel. Garantie président Kenya que force la venir quand même. Je ne peux pas parler de Ariel Henry. Ariel Henry, il est devenu le débat garanti dans 3 mois pour résoudre le problème Matissan. Ariel Henry a signé un accord en janvier, il a dit qu'il a fait élection côté en 2022, il a pris tout élu. Il a signé l'autre accord encore, il dit le 4 février, le 7 février 2024, tout élu a pris en place. Donc, on va demander, on va penser sur le bagage Ariel Henry, on va penser au fait. Nous avons Ariel Henry qui a une capacité pour le mener. Nous avons assez pour nous mettre avec la population, pour nous dégager, pour nous sortir pour le mener. Comment c'est des sanctions? Comment c'est pour le monde? Son bagage, si quelqu'un qui prend l'argent pour acheter des armes, mettre dans les malheureux, faire le mal, tuer les gens, et que vous connaissez, ce n'est pas parole pour vous être dans la parole. Si vous avez un gouvernement normal en Haïti, vous avez écrit les l'ONU pour demander. Documents que vous avez contre nous, preuve pour permettre de paraître devant la justice, pour si vous accusez au mal, vous pouvez défendre vous, parce que l'ONU n'est pas une instance de justice nationale. Donc si vous avez un gouvernement en Haïti, le premier ça a fait, il a demandé l'ONU documents et il a envoyé devant la justice.
Mais comme docteur Ariel Henry, le premier bagage qu'il a fait, c'est d'écraser la justice avec Bandilio, pour qu'il ne poursuivre ni lui-même, ni l'autre associé qui est dans la criminalité en Haïti. Donc c'est le César Nap qui vous a résolu. Parce que je... Si vous accusez les gens, mon accusation sont accusations. Les gens accusent les gens, vous avez fait pour le droit, pour le pas être devant instance, pour le défendre tête, pour le bailler la preuve que ça vous dit sous l'IA c'est menti, ou bien pour la société, bailler la preuve que ça vous dit c'est vrai et que le fait face à la responsabilité. Je dis à... Si ce n'est pas ça, n'importe qui n'est parce que il y a une loi en Haïti. Et docteur Ariel Henry pensait pas qu'il y a une loi. Il y a une loi en Haïti. Et la loi en Haïti dit qu'un citoyen haïtien lui jouit de droits civils et politiques. À moins que lui condamné à une peine afflictive ou infamante. Côté pour sa fête, c'est devant la justice. Donc nous avons le docteur Ariel Henry qui lui-même dit qu'il l'a accusé. Il a donné. Bien sûr. Allemand de deux journaux américains qui t'ont dit qu'elle était dans la complicité d'assassinat président, il n'y a pas jamais protesté contre ça. Donc, peut-être c'est pour raison ça qu'elle l'entendait avec Bandio, fait raser la justice, pour lui-même, il n'y a pas de répondre devant la justice. Dans n'importe quel pays normal, il y a pas une accusation contre un citoyen. Dans le cas docteur, il s'est licté pour aller devant la justice. Il va même devoir lui-même. Parce que le sens, c'est un premier ministre. Dans quel pays où on va diriger, au lever au matin, il y a 200, 300 personnes qui mourent, ou pas même présenter excuses, ou pas dire un mot, ou pas dire qu'il soit fait, et vous, premier ministre, ou ministre de l'Intérieur, ministre, tout le bagage, ce n'est pas normal. Donc, nous-mêmes, nous mettons tête ensemble, il faut que la population commence à préparer que nous allons rentrer dans un combat sérieux, et le montrer qu'il y a une capacité pour résoudre le problème, les gens qui ont posé des dirigeants, mais tu es en complicité avec une capable population. Je dis à nous, Marc. Affaire force là, on va discuter au Kenya. Des structures politiques, des structures légales, au Kenya, qui a discuté des choses. Donc, on va faire parler d'un bagage qui lui-même pour coexister. Dès lors qu'elle existe, elle forme. Nous avons qui pays composé, qui pays qui a dirigé, et laisse un AFCA pour une mission, nous avons parlé de lui. Mais la société est bloquée. Je ne pense pas penser ce qu'a fait au Kenya. Je ne pas gérer la politique du Kenya. Donc, il y a des gens qui ont géré le pouvoir au Kenya, il y a des gens qui sont en opposition au Kenya, il y a des gens qui sont en structure. Justice au Kenya, des gens qui dans le Parlement Kenya qui a discuté de questions ça. C'est là qu'on discute, on apprend exactement ce qu'on a. Le seul bagage qu'on a, docteur Ariel Henry, prend un pays pour le diriger, pays à craser dans le même, il va prendre une seule initiative pour protéger la population, il va prendre une seule initiative pour les populations qui ont des problèmes. L'IGIS levé des bras, l'IRI l'a envoyé, l'a demandé étranger pour venir résoudre le problème que lui-même était responsable. Maintenant, comme nous ne pouvons pas quitter le pays à fin à l'ENEP, nous avons organisé nous pour nous prendre disposition, pour nous gérer les questions avec l'ONU, pour nous gérer les questions avec la population haïtienne. Mes convictions, PAM, tout problème où est bien là, tous ces vrais, faux problèmes, c'est la population pour préparer le bot. Parce que les gens problèmes, c'est toujours la population qui sont résolue. Et là, le testat Bakalea, nous devons démontrer qui solution à problème. Donc, nous avons utilisé tout l'appui international, tout l'appui national pour éradiquer, à faire monde, nous mettre des dans le monde, faire marcher, tuer les gens pareils, sans que nous n'avons aucun contre-avère, ce n'est pas normal. Et le problème qui est là, il n'y a pas de monde qui a passé à faire ça. Il y a d'abord des gens qui acte les amis ou mettent dans les gens fait tuer les gens pour qu'ils aient bien pouvoir, pour qu'ils aient contrôlé l'économie du pays. Le problème, c'est notre tête liée. Nous avons pris disposition pour nous aller sous ce côté problème de Sofia pour nous résoudre avec la population. Mais vous remarquez, je dis à toi, Michel. Garantie président Kenya que force la venir quand même. Je ne peux pas parler de Ariel Henry. Ariel Henry, il est devenu le débat garanti dans 3 mois et résoudre le problème Matissa. Ariel Henry a signé un accord en janvier, il a dit qu'il a fait élection côté en 2022, il a bien tout élu. Il a signé l'autre accord encore, il dit le 4 février, le 7 février 2024,
tout élu a dans place. Donc, on va demander, on va penser sur le bagage Ariel Henry, on va penser au fait. Nous, on va voir Ariel Henry, il a une capacité pour le mener. Nous, on y a assez pour nous mettre avec la population, pour nous dégager, pour nous sortir, pour le mener. Comment c'est des sanctions, comment c'est pour le monde? Son bon bagage, si quelqu'un qui prend l'argent pour aller acheter des armes, mettre dans les malheureux, faire le mal, tuer le monde, et que cap connaît, ce n'est pas parole pour eux, c'est dans la parole. Si tu es un gouvernement normal en Haïti, tu as écrit les l'ONU pour demander documents que tu as contre nous, preuves, pour permettre de paraître devant la justice, pour si tu es accusé ou mal, tu as défendu, parce que l'ONU n'est pas un instance de justice nationale. Donc si tu es un gouvernement en Haïti, le premier ça t'a fait, il t'a demandé l'ONU documents et t'a voyé devant la justice. Mais comme Dr. Ariel Henry, le premier bagage qu'il a fait, c'est d'écraser la justice avec Bandilio, pour qu'il ne puisse poursuivre ni lui-même, ni l'autre associé qui est dans la criminalité en Haïti. Donc c'est le César Nap qui vous a résolu. Parce que si vous accusez les gens, mon accusation est une accusation. Les gens accusent les gens, ils ont fait pour le droit, pour le pas être devant instance, pour le défendre, pour le bailler la preuve que ça a dit sous lui, c'est menti. Ou bien pour la société, ben la preuve que ça veut dire c'est vrai et que le fait face à la responsabilité. Je dis à... Si ce n'est pas ça, n'importe qui n'est parce que il y a une loi en Haïti. Et docteur Ariel Henry pensait pas qu'il y a une loi. Il y a une loi en Haïti. Et la loi en Haïti dit qu'un citoyen haïtien lui jouit de droits civils et politiques. À moins que lui condamné à une peine afflictive ou infamante. Côté pour ça, c'est devant la justice. Donc, nous avons le docteur Ariel Henry qui lui-même, tout ce qui est accusé. Il a donné? Bien sûr. Allemand de deux journaux américains qui ont dit qu'il était dans la complicité d'assassinat président. Il n'a pas jamais protesté contre ça. Donc, peut-être c'est pour raison ça qu'il fait l'entendre avec Bandi, il fait craser la justice. Pour lui-même, il n'est pas capable pour répondre devant la justice. Dans n'importe quel pays normal, il y a pas une accusation contre un citoyen. Dans le cas de Dr. Ariel Henry, c'est lui qui est pour aller devant la justice. Il va même devoir lui-même. Parce que le sens est au premier ministre. Dans quel pays où on va diriger, le bon matin, il y a 200, 300 personnes qui mourent, ou pas même présenter excuses, ou pas dire un mot, ou pas dire qu'ils soient faits, et pour le premier ministre, ou ministre de l'Intérieur, ministre, tout le bagage, ce n'est pas normal. Donc, nous-mêmes, nous mettons tête ensemble, il faut que la population commence à préparer que nous allons rentrer dans le combat. Un combat sérieux et le montrer qu'il y a une capacité pour résoudre le problème. Les gens qui ont posé des dirigeants mettent en complicité avec les gens qui ont fait la population. Je dis à nous, Marc, il y a des affaires fausses là, on va discuter au Kenya. Des structures politiques, des structures légales au Kenya qui ont discuté des questions. Donc, on ne peut pas faire parler d'un bagage qui lui-même pour coexister. Dès lors qu'il existe, il faut mieux. Nous avons qui pays composé, qui pays qui a dirigé, et là, ça n'a pas compris une mission, nous avons parlé de lui. Mais la société nous a bloqué. Je n'ai pas pensé ça qu'a fait au Kenya. Je n'ai pas géré la politique du Kenya. Donc, il y a des gens qui ont géré le pouvoir au Kenya, il y a des gens qui sont en opposition au Kenya, il y a des gens qui sont en structure. Justice au Kenya, des gens qui sont dans le Parlement Kenya, qui ont discuté de questions ça. C'est là qu'on fait discuter, on apprend exactement ce que c'est. Le seul bagage qu'on connaît, Dr. Ariel Henry, prend un pays pour le diriger, pays à craser dans le même, il ne prend pas une seule initiative pour protéger la population, il ne prend pas une seule initiative, les populations ont des problèmes. Vigiste lever des bras de l'amour, la demande étranger pour venir résoudre le problème que lui-même était responsable. Maintenant, comme nous ne pouvons pas quitter le pays à fin à l'ENEP, nous avons organisé nous pour nous prendre disposition, pour nous gérer les questions avec l'ONU, pour nous gérer les questions avec la population haïtienne. Mes convictions, pas tout problème où est bien là, tous ces vrais faux problèmes. C'est la population qui prépare le bon. Parce que les problèmes, c'est toujours la population qui sont résolus. Et là, le stade de Bacaléa, nous avons démontré qu'il y a une solution à ce problème. Donc, nous avons utilisé tout l'appui international, tout l'appui national pour éradiquer, à faire monde
yo met zam nan men yo fè ap mache tue moun pareil yo sans que bagou ken kontravèl, c'est pas normal. Et problème qui gen la, li pa nan moun k ap mache fè zak yo, li d'abord nan moun ki akte zam yo mete nan men moun fè al tue moun pou yo pou yo k ap gen pouvoir, pou yo k ap kontrole ekonomi peyi. Problème nan se nan tèt liye. La prédisposition pour nous aller sous ce de problème de soutien pour nous résoudre avec la population. Remarquez, je dis à toi, Michel. Garantie président Kenya que la force l'a venue quand même. Je ne peux pas parler de Ariel Henry. Ariel Henry, il est devenu le débat garanti dans 3 mois de résoudre le problème Matissan. Ariel Henry a signé un accord en janvier, il a dit qu'il a fait élection côté en 2022, il a fait tout élu. Il signe l'autre accord encore, il dit le 4 février, le 7 février 2024, tout élu a été placé. Donc, on va demander, on va penser sur le bagage d'Ariel Henry, on va penser au fait. Nous, on voit qu'Ariel Henry a une capacité pour le mener, nous. On y a assez pour nous mettre avec la population, pour nous dégager, pour nous sortir, pour nous mener. Comment c'est des sanctions, comment c'est prendre votre monde à l'eau? Son bon bagage, si quelqu'un qui prend l'argent pour aller acheter des armes, mettre dans le mener. Malheureux, il fait mal, j'ai tué moun, et que le cap connaît, ce n'est pas parole pour eux être dans la parole. Si tu es un gouvernement normal en Haïti, tu as écrit les l'ONU pour demander documents que tu as contre Moussa, preuve, pour permettre de paraître devant la justice, pour si tu es accusé au mal, pour cap défendre toi, parce que l'ONU n'est pas un instance de justice nationale. Donc si tu es un gouvernement en Haïti, le premier ça t'a fait, il t'a demandé l'ONU document et il t'a voyé devant la justice. Mais comme Dr. Ariel Henry, le premier bagage qu'il a fait, c'est d'écraser la justice avec Bandilio, pour qu'il ne puisse pas poursuivre ni lui-même, ni l'autre associé qui est dans la criminalité en Haïti. Donc c'est le César Nap qui a résoudre. Parce que je si vous accusez les gens, les accusations sont accusations. Les gens accusent les gens, ils ont fait pour le droit, pour le faire devant l'instance, pour le défendre, pour le faire la preuve que ça a dit sous l'IA c'est menti, ou bien pour la société, faire la preuve que ça a dit c'est vrai et qu'il fait face à la responsabilité. Si ce n'est pas ça, n'importe qui n'est pas, parce qu'il y a une loi en Haïti. Et docteur Ariel Henry pensait pas qu'il y a loi. Il y a une loi en Haïti. Et la loi en Haïti dit qu'un citoyen haïtien lui jouit de droits civils et politiques, à moins que lui condamné à une peine afflictive ou infamante. Côté pour ça faire, c'est devant la justice. Donc nous avons le docteur Ariel Henry qui lui-même tout ce qu'il a accusé. Il a donné? Bien sûr. Allemand de deux journaux américains qui t'ont dit qu'il était dans la complicité d'assassinat président, il n'y a pas jamais protesté contre ça. Donc, peut-être c'est pour raison ça qu'il a entendu avec Bandio, il a écrasé la justice. Pour lui-même, il n'y a pas de pour répondre devant la justice. Dans n'importe quel pays normal, il y a une accusation contre un citoyen. Dans le cas de Dr. Ariel Henry, c'est lui qui est pour aller devant la justice. Il va même devoir aller lui-même. Parce que le sens est au premier ministre. Dans quel pays où on va diriger, on le voit au matin, il y a 200, 300 personnes qui mourent, ou pas même présenter excuses, ou pas dire un mot, ou pas dire qu'il soit fait, et pour le premier ministre, ou ministre de l'Intérieur, ministre, tout le bagage, ce n'est pas normal. Donc, nous-mêmes, nous mettons tête ensemble, il faut que la population commence à préparer que nous allons rentrer dans un combat sérieux, et le montrer qu'il y a une capacité pour résoudre le problème. Les gens qui ont posé dirigeants mettent en complicité avec les gens qui ont fait la population. Je dis à nous, Marc, il y a des gens qui ont discuté au Kenya. Des structures politiques, des structures légales au Kenya qui ont discuté des questions. Donc, on ne peut pas faire parler d'un bagage qui lui-même pour coexister. Dès lors qu'il existe, il forme. Semaine dernière, guerrier Dieu seul, nous t'ai limé projeté sous Gonaïve. Et matin là encore, n'a limé projeté sous cité l'indépendance là. Pour qui ça? Depuis environ 2 semaines, gon dossier qui a défrayé la chronique au niveau de la 4e ville du pays. Dans la semaine qui s'est passée, il y a une voice qui arrivait, joint moi sous téléphone moi, que m'ta pral authentifier bon côté confrère au niveau de la cité de l'indépendance.
Qui sa voice la dit Grégory Lubin, guerrier du seul. C'est yon chef gang Koukourat San Ratio, Meye, ainsi connu, qui lui-même a adressé à deux journalistes très connus dans la cité de l'indépendance. Deux journalistes, ça yo, c'est Dieu l'y fait séjour, en pile moun konnen sous nom Blada, nan Gonaïve, lycée propriétaire Radio La Voix du Peuple. Deuxième journaliste là, c'est Juvent Norseus. Qui ça, meilleur et si connu, yon nan chef gang Koukourat San Ratio, dit nan voye ça, li accuse monsieur yo comme journaliste qui non seulement te gen bon rapport avec lui, mais c'est des journalistes de qu'on assiste tout. Par exemple, gon kote nan message vocal la, mais il dit Juvent Norseus te vin kote l parce que madame li te fin akouche et que li te nan nécessité l'argent, gon koze 50 000 goud ki te pale la triye. Pour Dieu li fait séjour, mais il a expliqué que c'est souvent d'après l'île il fait radio après l'arrivée journaliste a tiré l'île mandel est-ce que même mon bouteille baban cool pas bay radio a il a trié et meilleur expliqué tout que c'est souvent li qu'on entend ni avec journaliste là pour le parler dans radio a même le l'émission wap fait journaliste a l'impression que le pat attend ou bien le pat ouais si c'est meilleur que relé c'est pas dans la lanterne ça est meilleur qu'à parler journaliste là fait comme si que c'est sans attendre que meilleur relé dans émission wa, et c'est l'élément de qui est ça l'identifie mais meilleur dit jamais il pas de jamais question ça c'est toujours des ententes entre lui-même avec journaliste là pour le parler dans espace là. Gon l'autre voice qui rive joindre moi weekend là côté yo rapporté journaliste Norseus Juvens les mêmes les relais Fritz Désir qui c'est porte-parole Haïti en action au niveau de la cité de l'indépendance li a posé problème madame Nick sont accouché problème l'argent et la triacli au point que monsieur Désir dit eh bien il pourra faire une intervention bon côté sénateur à Boulay n'a parlé là du sénateur Yuri la Tortue mais monsieur Désir selon voix ça dit il craint pour mon bon côté sénateur empêche pas empêcher ça parce que il considère journaliste comme moun qui a parlé sénateur mal. Deux journalistes ça eux monsieur cité là monsieur Dieu l'y fait ses jours dit Blada et monsieur Juvent Norseus monsieur Baye en conférence de presse si ne pas trompé de mardi ou mercredi dernier d'abord monsieur rejeté d'un revers de main toute accusation chef gang meilleur porté contre lui. Mais au longé droite, yo tout sous ancien sénateur la Tibonite là, Yuri la Tortue, avec des membres de structure qui relaient nous ces révolutionnaires au niveau de Raboto, qui t'a derrière ça yo ou bien qui t'a orchestré tout ça yo. Si bien que nèg yo dit yo fait objet de menaces et yo même dit si on plume ta sorti sou yo on grain cheveux ta sorti nan tête yo moun kap responsable c'est d'abord groupe Koukourat San Ratio à tout moun ki a supporté ou bien qui s'est allié yo et ensuite c'est moun qui nan nous c'est révolutionnaire au niveau de Raboto ak ancien parlementaire la Tibonite là monsieur Yuri la Tortue sou songe bien guerrier du seul vendredi dernier nous recevoir monsieur là
de journalistes. Ils étaient solides avec nous. Tout d'abord, ils étaient fait sauver état de qui sa réalité a yé, par rapport à tout sa cap diyo, qui sa vérité yo yé selon yo même. Mais tout, ils étaient fait des révélations par rapport à que moun jodi a cap diriger groupe Kokouat sans race là, à relation ou te gagné par le passé avec des moun très influents politiquement dans le département, dans la ville, dont ancien sénateur Yuri Latortu. Ils ont vacciné, ils ont jambé la rue pour koyo, donc ils sont responsables de tout ça. Maintenant, c'est au public d'en déduire. Vous comprenez? Mais ils ont parlé et jusqu'à présent, nous avons les bandes sonores. L'autre élément qui gagne dans le dossier Gounaïv la guerrier Dieu seul, gagne plus passé 5 et même 6 journalistes, je dis à tout, qui ont même fait objet de menaces de mort. Et journalistes, ça y est, pour un pile dans yo, c'est des journalistes, un, qui a critiqué Gang Kokouat sans race là, qui a dénoncé agissement Kokouat sans race, d'abord sous département, ensuite sous ville là, mais tout qui a dénoncé des moun qui ta gagné des rapports avec gang là, soit des moun au niveau de la police, des moun au niveau de la justice et des moun au niveau du secteur politique. Et pas plus tard que fin semaine, m'attendais on voice que journaliste senior Kenny Morose rend public côté la dit mel devant la Kaili. Deux nèg passé sous moto, nèg la gè trak, il nèg yo annoncé que l'essayon pa mon paquet l'autre journaliste si yo pa pose yo, eh bien y a privé sou yo Jean Ouvlier. Et parmi journalistes sa yo nous dit jodi a la qui dit yo fait objet de menace de mort yo dans cité l'indépendance là, nous capable citer Kenny Morose, nous capables de citer Franz Renel Lebrun, nous capables de citer Juvens Norseus, Julie Fête Séjour alias Blada, nous capables de citer Donald Saint-Jean. Et Kenny Morose pas passé dans quatre chemins. Il pas de l'anglais dans poche li pour l'accuser ou bien pour le pointer du doigt gang Kokouat sans race. Matière là madame monsieur, il y a trois bagages qui intéressent nous dans l'espace là. Pour les bagages là, nous pourrons retourner encore une fois, si vous voulez, sur la genèse du groupe Kokouat sans race. Je dis à qui en passe pour le vin, il y a un plus gros gang dans le pays et un plus gros gang dans le département de la Tibonite là. Deuxième bagage là, je pourrons montrer nous par A plus B côté, nous pas doué prendre à la légère menace sa yo qui pesait sous dos ensemble de journalistes sa yo. Parce que sous prend pendant 20 dernières années sa yo, journalistes qui victime après pour n'a mettre en tête pour la justice a saisi, annoncer l'ouverture d'une enquête et puis l'enquête se poursuit jusqu'à ce que ne pas jamais tendez parler de bail comme ça encore. Nous peut-être ouvrir la voie si vous voulez pour des journalistes continuer à être victime parce que tout simplement en groupe ou bien on monde pas d'accord avec position journaliste là ou bien parole journaliste là à poté sorti dans Jean-Dominique passé dans Muyol Lindor merci tombé Jacques Roche rivé sous PHTK là comment on relit nom plateau central là Jimmy et pas Jimmy non Néhémie Joseph Rospin Pétion pour rivé sous Diego Charles très récemment la jeune journaliste très prometteur. Donc nous pourrons laisser garder ensemble pour qui ça nous pas doué pour menacer ou à la légère. Mais troisième bah qui intéressé le matin hein, je dis c'est relation on sait eu de journalistes tout on sait eu de nèg qui dans micro avec des groupes armés. Et je dis si n'a identifié moun kap financer gang yo, si nous avons identifié les gens qui ont supporté gang yo, et nous considérons comme des criminels au même titre que chef gang nan, ou bien
que bandit ou bien soldat qui appartenait à gang là, eh bien on est tout bien femme que ou t'es journaliste ou bien t'es dans l'autre secteur d'un pays même là pour tes âmes de vous n'entendre langage avec gang de vous n'en baille gang parler de vous n'en relation amis à gang depuis ou n'a mangé l'argent gang alors que qu'on ça l'a fait pour libérer l'agence ou pour joindre l'agence ou c'est gang tout pas de débat sur ça. On appelle le diable par son nom. Ou c'est gang tout, c'est vrai ou pas qu'un bizam, non. C'est vrai ou pas participer dans kidnapper moun, dans violer moun, dans détourner camion marchandise. Mais attention, hein. Si jamais ta mangé l'agent ça, ou qu'on coûte l'agent sorti, et si vous avez un problème, ou après les chefs gang ça, ou expliquer le problème ou. Ou j'aime pas bon menti. Si vous mettez un panier, pour vous mettez bon moun, ou l'autre panier, pour vous mettez moun qui gang yo, eh bien, que le petit soldat qui a mis âme, que le dénègre qui a dirigé gang, que le démon qui a financé gang, que le démon qui a baillé gang, munitions à examen, que le démon qui a fait commerce avec vous, que le démon qui a collaboré avec vous, qui a baillé formation, que le démon qui a mangé l'argent, vous tout à nos seuls paniers gang. A un débat sur ça. On retourne sur Kokorat sans race. Bon matin, je viens là, et puis, on t'a parlé de l'insécurité qui gagne dans. Département la Tibonite là. Pas oublié non? D'après dernier rapport, expert Nations Unies, après région métropolitaine Port-au-Prince, la Tibonite c'est deuxième côté gang acheté l'argent comptant. C'est pas moi qui dis. Moi dis que, gon ensemble de groupes armés jeudi à la, qui a simé la trouble en un pays, yo c'est résultat. Mouvement qui te gagné contre Jovenel Moïse yo, mouvement pays Lokyo en 2018-2019. Au même titre que Jodi Anoukadi, PHTK, Michel Joseph Martelly, Jovenel Moïse et consort, entendu pour yo gangsteriser pays, c'est au même titre tout nous a dit, nèg qui était dans opposition en face Jovenel Moïse yo. Nèg qui t'a goumen, qui t'a dénoncé, qui t'a demandé Jovenel Moïse démissionné yo. Nèg qui te croit que faut que c'est bloqué pour être bloqué pays pendant des mois, pendant des années. Pour Jovenel Moïse te démissionné, yo participé dans gangsteriser pays à tout. Et deux gangs, je dis à qui très puissant. Nous ka prendre comme exemple qui sorti dans mouvement anti Jovenel yo. C'est craser barrière qui gagne en tête éviter l'homme innocent avec Kokorat sans reste à parler là qui dans la Tibonite. Désolé, pas, pas un débat sur ça. Quand on veut l'étendre ou pas l'étendre, ça c'est business pour vous. C'est mouvement pays, bloqué pays, barricade ceci, barricade l'autre bord. Qui bat nous ou ensemble de l'autre gang. Nous pas dit. Barricade pas fait à main vide. Nous pas dit. Toute gang qui vient là, ou vient à partir du mouvement ça. Nous tapons méchant pile. D'ailleurs, rapport Nations Unies ou bien expert Nations Unies dit clairement c'est depuis la présidence de Michel Joseph Martelly gang yo vinn gen toute force sa yo gang yo vinn à l'aise comme ça gang yo vinn gen toute puissance sa yo tout au moins gang yo vinn légal dans niveau ça si nous devons répéter zami nou Grégory mais attention hein si nous avons deux gangs nous avons trois gangs nous avons quatre gangs et bien à partir de bataille monsieur dame opposition yo li pas quatre encore pas cinq encore. Il y a plusieurs autres gangs qui ont ajouté. Donc c'est certain, je dis à la, si vous avez un bilan, dans le monde qui a armé ou bien gang qui s'est réveillé, ça me dérange. Sous prend M. PHTK pour quitter la négociation. Parce qu'il y a un pile là, tout est recours à gang pour être bataille contre Jovenel. Et après la bataille, la fin fête, Jovenel pas tombé, le monde qui a gagné Zamza. Et c'est eux-mêmes, oui, je dis à la, qui mette tête yon côté, qui organise yon, et puis qui a simé la trouble yon, non pas que zone dans le pays, pas mis yon la Tibonite. M'fin dit ça là, et bien, moi se vois un appel, m'de dit ça off mic, et c'est pour yon m'abdi l'anonde. Bizarrement, m'baron sa kte pram, même numéro pas enregistré sur téléphone, même m'baron pran. Et puis, m'appel l'économie moude, m'baron sa kpasse m'bran. Moun nan dit m'kon ça. Li wèm chou nan baye Kokorat sans race sa. Sonje se go naïve papa mak petite moi.
Mouri. Et puis après ça, m'tout fermé. Deuxième bagay, bon ami qui nan international là, particulièrement États-Unis, sûrement l'aptende là, puisque lui-même li était présenté clairement. Monsieur dit très méchant si m'ka dit, c'est opposition qui ban nous sanye là comme réalité. Fon d'accord que c'est Jovenel avec Matéli, ok, qui vient à gang dans le pays, pas de jam gang. M'di c'est que monsieur m'di lol. Mais là, monsieur persiste, m'oblige vous en voice, bah, monsieur, c'est pas vrai, il me fait souvent. M'di monsieur, est-ce que c'est lui qui t'étendait ça, ou bien c'est ça m'di dit? Ou bien ça l'était souhaité m'di? Et ma tia m'a pour dit, même ça m'di dit. Ou pas qu'à ap responsabiliser monsieur dam PHTK yo dans sanien là comme réalité sur le plan sécuritaire pendant on va déresponsabiliser monsieur dam qui te bataille en face Jovenel Moïse. Ah, je suis désolé hein. Yo gen même responsabilité même si l'autre la devine à 10 gang ou vin à 2 gang gang quand même. Et m'a répété le 2 gang qui jodi a vin 2 groupes armés qui très 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 puissant dans pays a qui résulte de mouvement anti-Jovenel, pays, log, barricade, c'est écrasé barrière à Koukouat Saras. Et je le dis.